Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire des cartes de Noël avec des petites chutes de papier que vous avez à la maison. On va les couper en petites bandes et on va faire des fonds de cartes avec. Vous m'accompagnez? Alors, pour faire cette carte, on va prendre des cartes toutes faites qu'on trouve dans le commerce. Je prends un petit bout de papier un tout petit peu plus petit. Et aussi, là, j'ai pris un bloc que j'avais acheté chez Action, mais vous pouvez utiliser les chutes de papier que vous avez chez vous. L'idée, c'est de combiner à peu près quatre papiers à motifs en utilisant les couleurs que vous voulez, que vous pensez qu'elles combinent bien les unes avec les autres. Alors, moi, j'ai choisi mes papiers. Je vais couper des petites bandes des différentes épaisseurs, c'est pas très important, à peu près 20, je pense qu'une vingtaine c'est assez. Comme je vous dis, les épaisseurs c'est pas très important parce que c'est un fond complètement aléatoire. Là, mon fond, je mets du double face partout, absolument tout. Je laisse pas un seul morceau. Il est complètement couvert. Et là, je vais commencer à mettre mes bandes, à disposer mes bandes aléatoires, d'une façon aléatoire, les différentes couleurs. Vous pouvez combiner aussi avec du washi tape si vous le voulez. Je mets, comme vous voyez là-bas, j'ai mis des petits morceaux de washi pailleté. Je découpe et avec les petits morceaux qui restent, je recommence. C'est pour ça que je vous dis qu'avec 20 petits morceaux, vous arrivez à couvrir toute une carte. Là, je découpe et s'il y a des petits bouts encore qui manquent, des morceaux que j'ai découpés, je vais continuer. Bon, là, la carte, le fond de carte, il est fait. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je pensais faire une espèce de shaker card avec ce fond-là. Alors, je vais découper le mot Noël d'un alphabet que j'ai en dies. Je vous montre là mon alphabet. Là, je vais le découper. Je vais le passer à la Big Shot. Et on verra après des petites paillettes derrière les petits trous de lettres. Et c'est une carte assez originale. Là, je l'ai passé à la Big Shot. Là, j'ai coupé. J'enlève mes lettres. Et derrière, je vais mettre un petit morceau de. Le petit morceau de la lettre O. J'aurai besoin après pour la coller sur mon morceau d'acétate. Je coupe un petit morceau simplement pour le mettre derrière. Et on va le coller avec du double face, tout simplement. J'aimerais, si vous regardez ces vidéos, j'aimerais avoir vos commentaires. Qu'est-ce que vous voulez voir si j'explique pas bien, si je vais trop vite, si c'est trop lent, si vous êtes plutôt débutante ou vous avez besoin d'idées ou vous voulez voir des choses spécifiques. J'aimerais vraiment vous aider. Je ne sais pas si mes idées sont utiles ou vous préférez de savoir plus comment utiliser la Big Shot ou des choses spécifiques. J'aimerais bien avoir des commentaires. Je ne suis pas française, comme vous le savez bien, j'imagine, à cause de mon accent. Alors des fois, je ne sais même pas si j'utilise des mots qu'on ne comprend même pas. Pour moi, c'est naturel, mais peut-être que je ne me fais même pas comprendre. Alors, j'aimerais vraiment avoir vos commentaires. Là, je colle du double face. C'est la fin de mon rouleau. Ça, c'est arrivé juste au milieu de la vidéo. Ça arrive comme ça. Alors, je prends un nouveau. Heureusement que j'avais un autre et je finis. Là, je commence à remplir mon petit shaker avec des paillettes vertes, argentées. Avec tout ce que j'ai aussi, j'ai mis des petites paillettes rouges. Là, je les couvre avec un papier simple. Et après ça,
Vous voyez comme ça bouge, c'est marrant, c'est joli. J'aimais aussi comme petite décoration des perles des pluies que j'aime beaucoup. J'ai acheté ça chez AliExpress. Si vous voulez la référence, vous pouvez me demander en commentaire. Et là, je vais coller un. Ah, ça, c'est un autre fond que j'avais fait aussi dans d'autres couleurs. Et je vais vous montrer aussi comment j'ai fait ce Noël. J'ai découpé ça. J'ai une machine qui s'appelle la silhouette, mais vous pouvez faire avec des dies si vous avez des mots avec des dies. L'idée, c'est d'avoir plusieurs découpes, découper plusieurs fois le même mot. Alors, vous allez les mettre un dessus l'autre, par-dessus l'autre. Et comme ça, vous avez donné de la dimension à ce mot-là. Et c'est beaucoup plus beau, ça donne du relief, vous allez voir, avec de la colle. J'essaye d'écoller. Là, c'est mon deuxième, là, c'est mon troisième. Et je vais faire quatre couches. Vous pouvez faire autant que vous voulez, quatre, cinq. Je trouve que c'est assez pour que ça se voit assez épais et que ça donne, je ne sais pas si on l'apprécie bien sur la caméra. Mais quand on a la carte, quand on voit la carte, ça donne un relief assez intéressant. Là, j'ai collé simplement mon fond, comme j'ai fait d'habitude. Je vais faire aussi une petite vidéo avec des astuces que je trouve assez importantes pour le scrap et la carterie. Je ferai ça bientôt. Là, c'est un peu grand, alors je vais découper jusqu'à avoir la bonne taille. Là, c'est bon. Alors j'enlève les morceaux de double face et je vais coller mon mot et mettre aussi des petites perles de pluie pour finir. C'est un fond assez différent, j'insiste. J'aime beaucoup les couleurs de Noël pas traditionnelles et là on est sur des tons roses et un peu vers turquoise. Je mets mes petites perles des pluies. Et la carte, elle est finie. Après, on va décorer les enveloppes avec deux petits cœurs cette fois-ci. Je ne vais pas me prendre la tête. Vous allez voir. Je retourne à mon shaker pour refaire les enveloppes. Et là, j'ai découpé avec les mêmes papiers, des petits cœurs tout simples. Et c'est ça qui va finir mes cartes. Je vais montrer une autre aussi. Ça reste dans des couleurs assez froides. Là, non, c'est beaucoup plus coloré, celle-là. Et après, j'ai fait une autre. Avec la diagonale, là, j'ai suivi les morceaux de papier, suivent qu'une ligne diagonale. Avec un tampon. Et c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous dis merci. Je vous invite à vous abonner. Et aussi, je voulais vous dire qu'il y a d'autres informations peut-être importantes sous la section de description de cette vidéo, comme les liens pour mes réseaux sociaux. Ciao, merci!